Bonsoir, bienvenue si vous êtes là. Je vois juste Dark Koneko pour le moment. Donc, je sais pas si on est que deux. Eh, trois! Chrysalia est dans la place, comme d'habitude. Bienvenue, on va commencer. J'étais en train d'essayer de vraiment de faire des petits essais de manipulation. Donc ça fait vraiment 10 minutes que je parle et vous m'entendez pas du tout. Je sais pas ce que j'ai foutu. Donc voilà, bonsoir. Bienvenue. Je disais que je m'étais remis à ce logiciel et que j'étais en train d'essayer de faire des petites manips en douce. Et que en fait j'ai complètement tout oublié. On m'a entendu jusqu'à manipulation. Ah bah alors je sais pas ce qui se passe, c'est pas moi qui ai coupé le son. Donc, ok, ça a dû merder pour une raison que j'ignore. Peut-être que j'ai cliqué par erreur sur le petit bouton couper le micro, mais ça m'étonne. Alors, est-ce que tu dessines sur SketchUp? Non, 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 non. Là, c'est du Magica Voxel. Donc, il faut que je reprenne un petit peu mes vieilles habitudes. Donc dites-moi si le son recoupe. Petit message habituel de début de Twitch. Si vous voulez me parler, faites comme vient de faire Chrysalia, c'est-à-dire faites le @BouletCorp. Comme ça, je vois les questions que vous me posez, parce que sinon, je les vois pas. Alors que quand vous mettez mon nom comme ça, @BouletCorp, ça fait un gros pavé noir qui dit « Hey, quelqu'un est en train de te parler ». Alors, si je me souviens bien. Ça, ce sont des palettes préconçues qui sont pas très intéressantes. Et il vaut mieux partir d'une palette vierge. Parce que comme ça, on peut vraiment créer ses propres couleurs. Même si je ne sais absolument plus comment on fait. Ça doit être par là. Voilà. Je vais faire un classique. J'avais envie de. Pour vous le dire très franchement, j'avais envie de faire un dinosaure. Ça faisait longtemps. Donc je vais essayer de faire un T-Rex. En voxel, donc. On va faire un peu de sol, tout ça. Alors, il faut que je retrouve simplement les contrôles. C'est ça qui va être un peu plus chaud, parce que j'ai vraiment perdu complètement l'habitude de ce logiciel. Je crois que la dernière fois que je l'ai utilisé, vous m'avez vu le faire. C'était quand j'ai fait les petites sorcières. Depuis, j'y ai pas retouché. Donc ça a déjà, je pense, plus d'un an. Hop. Bon. Ça va être donc le sol. Je vais le faire sur une petite butte. J'avais un système pour faire des buttes, mais je sais plus comment. C'était avec des cercles, je crois. Où ça faisait moins. Voilà, ça faisait un peu plus. Oh, non, pas comme ça. CTRL Z. Ah oui, Magica Voxel est bien fait, c'est-à-dire que le CTRL Z fonctionne. Je me souviens plus exactement comment je faisais, mais il y avait des systèmes plus rapides où je dessinais et j'élevais les faces. Mais là, je l'ai plus en tête. Hop là. Voyons, voyons.
Alors, si je me souviens bien, voilà, V c'est pour faire un V, un voxel à la fois. Comme ça, je vais essayer vraiment de retrouver ce système pour faire des surfaces plus rapides. Et il y a bien un truc de face où quand on clique sur la face, voilà, elle se remplit de la couleur. Nip, nip. Voyons voir comment je pourrais utiliser ça. Parce que là, je pensais qu'en faisant le petit voxel et en faisant une ligne par exemple chaotique comme ça, si je faisais un remplissage par face, ça allait me remplir jusqu'à cette limite, mais visiblement ça fait plus loin. Ah non, ça marche. Ben voilà, c'était comme ça. C'était tout con en fait. Donc pour ceux qui nous rejoindraient et qui ne connaîtraient pas ce logiciel, Magica Voxel, c'est un logiciel de 3D qui a cette particularité de proposer du voxel, c'est-à-dire du... C'est comme des tout petits cubes, c'est comme du pixel mais en 3D. Et moi j'aime beaucoup, c'est un rendu vieillot et 3D à la fois. Donc c'est vieillot et moderne à la fois, j'aime bien. J'en avais déjà fait un petit peu, mais ça faisait longtemps que j'y avais pas touché, donc je suis aussi paumé que vous, je pense, en termes de manipulation du logiciel. Donc là, j'essaye de faire juste une sorte de petite falaise sur laquelle nous placerons un T-Rex. Parce que ça fait aussi longtemps que j'ai pas dessiné de dinosaure. Enfin, quand je dis une falaise, hein, c'est plus une petite colline. Hop. Est-ce qu'il y a des raccourcis clavier qui vont bien, du genre voilà. Si j'ai bien compris, ce logiciel a été fait par un seul gars, tout seul. Alors j'ai jamais vraiment bien su d'où il venait. Quelqu'un, j'ai vu des gens qui prétendaient qu'il était français, j'ai vu des gens qui m'ont dit qu'il était chinois. Donc voilà, bravo en tout cas à F-Tracy, le créateur solo de ce logiciel. Qui est quand même très très chic. Non, là pour ce logiciel, là j'utilise pas la. Finalement, la souris est plus pratique que la tablette sur ce format-là. Oups. Parce que finalement, là, pour des petits voxels comme ça, là, bah, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça a tout bugué. Comment j'avais fait ce truc de remonter? Normalement, c'était pas possible. Donc, comme vous le voyez, ça va être un petit peu laborieux, le temps de reprendre en main en tout cas. Au bout d'un moment, ça devrait aller plus vite, mais là, je suis encore tout paumé de pas l'avoir utilisé depuis longtemps. Hop. Pour le moment, je ne vois pas du tout où tu veux en venir. Ah bah non, mais ça c'est normal. Là, je suis en train juste d'essayer de placer une petite dénivellation pour placer le personnage dessus, en fait. C'est tout, hein. C'est juste histoire qu'il soit pas posé directement sur le sol, qu'il y ait un petit côté comme ça. J'ai l'impression qu'il a des bugs maintenant, le logiciel, dont je me souvenais pas. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Mais là, par exemple, le fait que quand on dessine en voxel, ça remonte sur les côtés. Normalement, quand c'est tout vide, voilà, là, normalement ça devrait pas pouvoir le faire. Et je ne sais pas pourquoi ça le fait. Je ne sais pas si c'est un bug ou une feature. Hop. Du caillou comme ça.
Là, je fais des petites courbes de niveau, si vous voulez, hop, pour élever le paysage. Alors, voilà, ça c'était la toute première étape, c'était juste placer un petit terrain comme ça pour que le personnage puisse se tenir dessus. Donc c'est vraiment, là j'ai fait vraiment du très basique, hein. Hop, des petites courbes de niveau et une petite colline. Et là il y a un petit trou. Voilà. Et je dois avoir l'option Erase, où je peux effacer les petits cubes surnuméraires. Voilà. Donc voilà, c'est quelque chose d'un peu plus propre. Le projet, pour ceux qui demandent, c'est de faire un T-Rex. Il va y avoir un. Là, je faisais une petite colline comme ça pour le surélever un petit peu. Puis je pense que je vais le poser par là, avec la tête par là. Il aura sa tête ici, le corps là. Et je vais tricher avec la queue, je vais l'enrouler. Parce que normalement, le saviez-vous, les queues de dinosaures comme dans Jurassic Park qui bougent comme ça dans tous les sens, ça ne devait pas être trop le cas puisque la queue servait vraiment de balancier, donc ça devait être vraiment un truc droit derrière comme ça qui leur servait à conserver leur équilibre et pas du tout un fouet qui se baladait dans tous les sens. Hop. Oups. Alors j'avais oublié que j'étais encore en mode effacer et que j'étais encore en mode face. J'aurais dû faire la petite démonstration du début comme la dernière fois pour expliquer les principaux attraits de ce logiciel. Alors c'est là qu'on va devoir. Je vais commencer par mettre un petit peu de la couleur sur ce sol, histoire qu'on soit pas. Parce que après, quand tu auras la bestiole dessus, ça risque d'être plus dur. Donc on va se mettre en mode paint. Donc paint, c'est très simple, c'est voilà, on passe en pixels, c'est-à-dire ça touche plus aux faces, ça touche plus aux cubes, ça les enlève pas ou ça n'en rajoute pas, mais ça colorie ceux qui sont déjà là. Et après on a les mêmes options, c'est-à-dire on peut peindre en petit pinceau comme ça, ou on peut peindre avec de la surface ou mettre des lignes droites, enfin des trucs comme ça. C'est, je sais même plus ce que c'est. Ah bah c'est les cercles, je l'ai fait tout à l'heure, je suis idiot. Voilà. Hop, on va. J'ai l'impression de faire du Splatoon. Splotch, splotch, splotch. Il y avait un système pour avoir une brosse plus grosse, mais je me souviens plus comment on fait. Là, j'ai une brosse de 1 voxel sur 1 voxel, mais il me semble qu'il y avait moyen de faire un peu plus gros. Ben, ça doit être ça, non? 2. Ben voilà, tout simplement. Hop. Là, je texture un petit peu le sol. Vous allez comprendre. C'est pas la couleur définitive. C'est juste que c'est pour voir un peu ce que je fais. Mais après, voilà. Donc ça sera le sol. Et maintenant, on va essayer de lui faire juste, voilà, de faire en sorte que ce soit juste une nuance de l'autre. Un truc un peu plus vers le vert, comme ça. Hop. Sol un peu crafio. Et on va mettre une troisième couleur histoire de bien faire. Et on va prendre aussi une couleur d'abord claire qu'on assombrira par la suite. C'est l'avantage de ce logiciel, avantage et inconvénient. C'est-à-dire, c'est pas comme sur Photoshop où on peut changer comme ça, on change de couleur et on applique la couleur sur la page. C'est vraiment. Il y a une couleur et elle est fixe. C'est-à-dire que là, si maintenant je décide que cette couleur-là, le brun en haut, je montre avec le doigt, c'est complètement stupide.
Si je veux que cette couleur-là, le brun maintenant soit du rouge, voilà, il va être du rouge, enfin, il va devenir rouge sur l'image. Ça va pas être un truc où, comme sur Photoshop, où on change la couleur de la palette et après on applique sur l'image. Là, c'est vraiment la couleur est attribuée pour de bon. Tous les pixels qui sont de cette information-là peuvent ensuite changer de couleur si on balance tout. Alors, si vous voulez voir, je vois que vous en parlez, donc si vous voulez aller voir ce que ça donne fini, les trucs en 3D, j'en ai mis quelques-uns de trucs en voxel sur Sketchfab. Donc, je ne sais plus exactement l'adresse, ça doit être sketchfab.com/bouletcorp, comme d'habitude. Et vous pouvez voir quelques-uns des modèles comme ça en voxel, dont la petite sorcière dont je parlais au début. Et vous pouvez voir à quoi ça ressemble en fait une fois que c'est complètement fini, quoi, avec les éclairages. Hop, voilà, truc un petit peu sablonneux. Je vais adoucir tout ça, hein. Là, c'est vraiment pour poser les zones. Quelqu'un qui me dit merde, j'ai pas écouté, on peut voir ça où? Sketchfab. C'est une plateforme qui permet de poster des modèles en 3D. Donc sketchfab.com/bouletcorp. Si quelqu'un trouve, hein, mettez le lien, comme ça sera fait. Est-ce qu'on peut l'imprimer en 3D? Ou je crois, il y a des, j'ai vu des gens le faire, je crois. Si j'ai bien compris, on peut exporter les modèles sous tous les formats 3D habituels, c'est-à-dire on peut les récupérer sur d'autres logiciels. J'ai vu des gens récupérer les modèles qu'ils faisaient sur Magica Voxel pour faire le rendu sous Maya ou sous je sais plus le nom des autres logiciels de 3D. Il y en a qui faisaient plusieurs petits bouts de paysage qu'ils assemblaient sur Blender. Donc ouais, y en a pas mal, y a pas mal de possibilités. Donc voilà, maintenant qu'on a tout bien sali, je vais changer la couleur. Hop, voilà, on va essayer de récupérer une couleur un peu terre. Voilà, c'est juste pour que la terre soit un petit peu texturée, que ça soit pas juste vraiment du marron uni. Voilà, ça donne un truc comme ça. Et je pense que je vais même mettre un peu d'herbe. On va faire un vert là. Pareil, je vais faire un vert dégueulasse dans un premier temps qu'on ajustera, que j'ajusterai pour qu'il soit moins violent, quoi. Hop. Donc on va dire que l'herbe elle s'accroche un petit peu comme ça. Ça serait terrible de faire un petit jeu indé comme ça, nous dit Belgicae. Alors, figure-toi que, enfin, pas moi, mais il y a un gars qui fait ça. Il y a un gars qui s'est fait connaître, qui s'appelle Sir Karma, qui s'est fait connaître vraiment par ses modèles incroyables qu'il faisait sur Magica Voxel. Et qui maintenant bosse avec un studio. Je ne sais pas comment ça s'est fait, s'il s'est fait repérer comme ça ou si c'est lui qui a fait la démarche d'aller les rencontrer. Mais il est en train de faire un petit jeu indépendant, une sorte de SimCity un peu futuriste à la Blade Runner, un peu cyberpunk. Et ça s'annonce hyper joli. Donc cherchez Sir comme monsieur en anglais, plus loin Karma, Carma.
Et sur Twitter, par exemple, il y est. Et vous pouvez voir pas mal d'images du jeu sur lequel il est en train de bosser. Et ça va être assez joli, j'ai l'impression. Voilà, bah vous avez déjà le lien. Grâce à Belgique. Merci Belgique. Là, pour le coup, le vert comme ça est bien étalé, ça fait vraiment Splatoon. Enfin, je fais le gars qui connaît, mais en fait, j'ai jamais joué à Splatoon, j'ai juste vu des images. Mais ça fait partie des jeux que je veux m'acheter là pour la Switch. C'est là, hop, plus petit. Mais si vous regardez sur. Donc, ils postent tous leur créa, les gens qui font du Magica Voxel postent très souvent leur création sur Sketchfab, dont je viens de parler. Donc, si vous êtes curieux, je vous recommande vraiment de taper le hashtag MagicaVoxel sur Sketchfab et vous allez voir qu'il y a vraiment des gens qui font des trucs de dingue. Moi je suis vraiment un petit débutant hein, dans ce logiciel, mais il y a des gens qui ont déjà un boulot absolument incroyable. Je trouve quand même que le meilleur reste Sir Karma qui fait souvent des il a fait des, il a je trouve qu'il Il arrive à faire des trucs quelquefois même minimalistes ou à jouer sur le fait qu'il y ait très peu de couleurs et tout. Il arrive à faire des trucs assez étonnants en jouant sur la perspective, en jouant en limitant ses couleurs, etc. C'est vraiment à voir. Alors, après ce logiciel a probablement 1 million d'options que j'utilise pas et que je ne sais pas utiliser. Je vous conseille d'aller voir aussi. Alors je sais plus s'il a mis son vrai nom, mais pareil sur Sketch. Ce serait plutôt sur Twitter. Je crois pas qu'il les ait mis sur Sketchfab. Mais allez voir Benjamin Renner. Allez voir ce qu'il a fait. Il a fait carrément des animations en voxel comme ça, où il est parti. Il a fait une image hyper belle d'une petite souris comme ça dans une toute petite pièce. Donc c'est un cube qui doit faire un quart de celui-là. Et il y a un bouquin, une bougie, et il y a une petite souris qui court autour de la scène, et c'est hyper mignon. Il a fait aussi un petit personnage qui saute sur lui-même, etc. C'est Benjamin Renner, le créateur du Grand Méchant Renard et de Ernest et Célestine. Et je l'ai vu depuis, et je lui ai demandé comment il avait fait. Il a fait une cuisine de dingue pour y arriver, mais c'est assez impressionnant. Alors, ouais, c'est vrai que ça fait pour. C'est vrai, Nicolas, ce que tu dis, ça pourrait faire création de map Minecraft, ça ressemble. Alors là, je vais ternir un peu l'herbe, histoire qu'elle soit moins flashy. Ou l'assombrir, peut-être pas forcément la ternir, voilà. Quelque chose d'un peu sombre comme ça. Et je vais faire une deuxième épaisseur d'herbe, mais cette fois-ci avec un peu plus de texture. Donc on va se mettre en mode attach et on va faire un autre vert quelque peu léger. Voilà.
dire qu'il y a de la petite moumousse. Hop. Avec les deux couleurs, là ça va être très joli. Alors oui, il m'a expliqué comment il avait fait et c'était complètement taré. En fait, il a fait son animation vue de haut sur Flash en image, donc image par image. Il a fait une animation de la souris qui court comme ça vue de haut autour du livre et de la bougie. Et ensuite, il l'a exporté image par image sur Magica Voxel. Pour avoir donc une animation mais plate, mais à l'intérieur du cube, et il a redessiné sur chaque image plate sa souris en voxel. Enfin voilà, c'est un truc de tordu quand même. Voilà pour le deuxième verre, je vais lui mettre comme ça des petites taches ici aussi. Et on va adoucir aussi sa couleur parce que là il est un peu violent. Et on va peut-être commencer à faire ce dinosaure avant qu'il fasse jour. Je rajouterai, si j'ai le courage, je rajouterai des détails beaucoup plus tard, mais. Genre, quand le truc sera presque fini, je rajouterai des petites herbes, des rochers, des trucs comme ça. Peut-être juste. Voyons voir. Ouais, voilà, un truc un peu comme ça. Encore un autre beige. J'hésite. Je vais faire un truc un peu comme ça. Mais j'ai peur que. Ouais, il faudra que je rebosse ça. Allez, on va le faire. Je voulais vraiment que la couleur change avec la hauteur. Comme s'il y avait du genre de la boue un peu plus claire à un moment. Hop, on réduit encore. Non, ça c'est pas réduit ça. Voilà. Et encore une dernière petite couleur là. Je suis désolé, c'est un peu chiant là, les premières étapes, c'est vraiment de la mise en place. Ça va vite devenir plus intéressant, j'espère. Dès le moment où je vais commencer à modéliser la créature. Là pour le moment, c'est vraiment juste de la peinture un peu à la Minecraft. Est-ce que c'est ASMR les petits clics de souris là? C'est reposant. Moi je les entends dans mon casque, j'aime beaucoup ce petit son. Aussi tout ça. Trouvons un bon angle pour voir ce qui se passe. Peut-être commencer par la couleur sombre.
Saturé, il est trop rouge, un peu plus orange. Voilà. Et le clair. Nip. Saturation, couleur. Bon, c'est pas exactement ce que je voulais, mais ça ira bien pour le moment, hein. Je voulais vraiment faire une transition plus tranquille, mais là. Alors, allez, la couleur, voilà, par là. Et. En fait, j'aurais dû regarder carrément les numéros des couleurs pour m'y retrouver plus facilement, mais je vais pas commencer maintenant à être professionnel. Voilà, c'est ça. Pas mal ça, la petite boue comme ça qui change de couleur vue de haut. Bon, un T-Rex alors. De quelle couleur je vais le faire? Je veux dire, pour le moment, ça n'a aucune importance, hein, puisque comme vous avez vu, je peux changer la couleur des cubes sélectionnés à tout moment. Mais je cherche une couleur en fait qui sera un peu visible, histoire que je puisse voir ce que je fais. Parce que si je le fais noir, par exemple, bah, y avoir zéro silhouette. Il y a un truc qui est tombé, je sais pas ce que c'était. Alors. J'ai mis un ventilateur derrière mon dos, alors ça fait voler plein de trucs dans la pièce. On va le faire rose pour le moment. Ok. Alors. La petite papatte. Ça sera. Oh la vache, ça va être long. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Je fais un dinosaure rose. Tout va bien. Alors, la jambe. Là, c'est un volume hyper complexe. Donc je vais essayer de le simplifier à mort et je reviendrai dessus après. J'essaye en fait de faire la patte du T-Rex, mais alors là il faut imaginer qu'il devrait y avoir trois doigts ici. Voyons voir d'ailleurs, est-ce qu'il est pas un peu petit? Le cul, comme ça, et la tête là. Non, il est bien. Mais alors c'est un peu compliqué. Là normalement il a le talon qui ne touche pas le sol, comme les chiens, tout ça. Et là la patte, ça va être le tibia qui va monter un peu en diagonale. Je vais pas le faire symétrique hein, de toute façon, je vais pas faire les deux pattes bien alignées posées sur le sol, je voudrais le faire dans une pose un peu dynamique. J'ai hâte que les ordinateurs aient des contrôles télépathiques. Genre hop, on se met des petites électrodes sur le crâne et l'ordinateur voit ce qu'on veut faire. Et on peut contrôler par la pensée le curseur. Ça irait tellement plus vite. Alors, donc.
Pareil, il faudra retravailler tout ça. Pour le moment, c'est un peu trop simple. Donc là, on a le volume qui contiendra le tibia. Et voyons voir. Je ne suis pas entièrement satisfait de ce tibia de dinosaure. Là, il y aurait la cuisse qui irait jusque-là. Le corps va être une boule un peu comme ça. Je le fais de profil, hein. Donc le corps va être à peu près une boule comme ça. La cuisse arrivant là. Hop, et la tête comme ça. Ah oui, là, me demandez pas un truc fini tout de suite, hein. Là, je suis en train de placer des volumes, hein. C'est normal que le tibia soit trop plat. Je vais le retravailler après. En fait, là, pour vous le dire simplement, si vous voulez vraiment savoir ce qui est en train de se passer dans ma tête, j'essaye de faire un peu la cuisse du T-Rex, comme ça, en tout plat, et juste pour pouvoir placer le volume du ventre et de la tête. Donc, ça va être un peu long. Hop, je vais essayer de le faire très grossièrement. Non. J'ai l'impression de faire avec cette couleur et les angles très, très marqués comme ça, pas du tout travaillés. J'ai l'impression d'être en train de faire un jouet en plastique un peu genre cadeau Kinder où il faut assembler. Alors voilà la cuisse avec le petit picot pour emboîter dans l'autre pièce derrière. Sur le stream, ta tête est pile sur le cadre, sur la zone de la palette de couleurs. Tu peux remonter un petit peu la cam si tu veux vraiment voir la palette de couleurs. Si tu veux, c'est pas très important, mais voilà. Voyons voir. Ah bah je peux. Ah bah non, c'est là, je sors de l'écran. Ou sinon, il n'y a rien ici, donc je peux me mettre là. Hein. Voilà. Est-ce que tu as déjà dessiné avec un casque de réalité virtuelle? Oui, j'ai adoré. Il y a une vidéo qui traîne quelque part, je ne sais plus où elle est. Je crois que la boîte s'appelait Red Corner. Donc si vous cherchez sur YouTube Red Corner, vous allez peut-être trouver la vidéo où je dessine une sorte de lapin mutant. Et hyper longue. À Angoulême, j'en avais fait une super. Enfin, j'étais hyper content. J'avais fait justement un T-Rex. Et je m'étais beaucoup amusé et je voulais pas m'arrêter. Mais j'étais genre dans une salle avec 40 personnes, donc il y a un moment où c'est pas très sociable de rester à transpirer dans ton casque pendant que tout le monde dîne autour de toi.
Mais c'était cool. C'était cool. Ça, c'est une de mes prochaines étapes. Là, pour le moment, je suis toujours un peu entre deux apparts et toujours à courir partout, donc j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Mais c'est une de mes prochaines étapes quand je serai un peu plus installé, c'est vraiment m'acheter une vraie bécane qui peut faire de la réalité virtuelle. Parce que ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie d'essayer plus avant. Faire des beaux dessins en réalité virtuelle. Encore un petit peu faible de la jambe. Hein. Hop. Ben ouais, c'est un peu une grenouille aussi, hein. T-Rex, hop. Ok. Donc l'os de la hanche arriverait par un peu plus haut, par là. Me vois couché dans le casque avec la deuxième. Bah oui, il y avait des moments où c'est vraiment quand tu dessines en réalité virtuelle, t'es un mécano quelquefois. Tu te penches et tu dois dessiner la tête en bas et tout. Là ouais, là je vais le faire un peu classique le T-Rex. Hein. Je pense pas que je vais me lancer dans des plumes parce que de toute façon la résolution des voxels est pas suffisante. Donc on va partir sur du bon T-Rex rétro, lézardeux. C'est pour ça que j'ai fait un T-Rex et pas un Raptor ou autre chose, c'est que je voulais partir sur du classique. Alors, comment faire maintenant? Hop, on va faire un truc. Boop. On va lui faire un petit boule. Hop, face. C'est juste pour avoir, voilà, un petit peu de matière. Ça a pris une partie de la jambe. Bon, en même temps. Voilà, très bien. On va effacer un peu ça. Est-ce qu'il y a une option de symétrie? Oui, je l'utilise pas beaucoup, mais je suis quasiment certain qu'elle existe. Mais là, je veux pas qu'il soit symétrique. Je veux qu'il ait une position un peu pas droite parce que sinon ça fait des modèles un peu statiques quand même. Déjà que le petit cube ça fait du statique, mais alors si en plus on met de la symétrie. Non, non, je vais pas faire la banderole qui tombe façon Jurassic Park. Ce serait pareil, ça serait pas très lisible en voxel. En plus, là, j'ai vu Jurassic World, là, le dernier, hier, et je suis très fâché contre la licence Jurassic Park, qui fait vraiment de plus en plus de la merde. Donc, on va rester sur d'honnêtes T-Rex. D'avoir un message de mise en modération pour avoir écrit bipède, me dit Darko Neko.
Ah oui, d'accord, oui, je pense que c'est simplement parce qu'il prend des mots-clés comme ça. Il prend des mots-clés qu'il faut pas dire et voilà, dans Bipède, il y a un mot que le modérateur automatique ne veut pas lire. La vraie question est, iras-tu voir le prochain? Non, bien sûr que non. Déjà, celui-là, je suis pas allé le voir. Hein. J'ai très malhonnêtement téléchargé ce film avec des sous-titres coréens, parce qu'il a déjà fuité depuis la Corée. Et j'étais vaguement curieux, mais pas au point d'aller le voir au cinéma. Et je regrette absolument pas de l'avoir volé. Parce que il était nul. Non, Bipède avec accent, c'est pareil et c'est chiant en fait parce que je dois autoriser tes messages manuellement. Ce Jurassic World est encore pire que celui avec Chris Pratt. Bah, c'est toujours avec Chris Pratt, c'est la suite, hein. Chris Pratt, il est bien gentil, mais. Bon, déjà, c'est pas le meilleur acteur du monde, hein. Il cabotine à mort là dans Jurassic Park. Plus ils essayent d'en faire un beau gosse redoutable alors que bon, il a quand même une gueule de Chris Pratt. Moi, je continue à voir Andy de Parks and Recs, alors j'ai du mal quand il joue sur l'hypervirilité de Chris Pratt. Alors que moi, je vois vraiment le gentil bro de Parks and Recs. Et puis bon, bah voilà, déjà le Jurassic World était catastrophique dans le scénario, quoi. L'idée de. Oh, un nouveau dinosaure qu'on a inventé de toutes pièces. Tu vois, personne n'y a cru, personne n'en voulait de ce dinosaure. Personne n'en avait rien à foutre. Et là, ils remettent ça, quoi. Ils refont encore un dinosaure inventé. T'es là, mais ça va pas la tête, quoi. Enfin. Le principe de Jurassic Park, c'est que c'était excitant parce qu'il y avait des dinosaures. Et les dinosaures, ils sont excitants parce qu'ils existaient pour de vrai. Et l'idée d'inventer des dinosaures, bah, ça devient un film de monstres de merde de base, quoi. Enfin bon. Le film, en plus, je trouvais paradoxalement commencé pas mal. C'est-à-dire toute la première partie, pour ceux qui l'ont vu, sur l'île, moi je la trouve pas trop mal. Il y a vraiment des moments un peu de suspense. Il y a des moments qui ont vraiment parlé à mon âme de fan de Tintin. Le moment là où il est à côté de la lave et il doit s'enfuir. Ça, c'est des moments que j'aime bien. C'est des moments vraiment purs vieux films d'aventure. Comme j'aimais bien. Mais après, voilà, dès qu'ils sortent de l'île, ça devient n'importe quoi. Et ça ne s'arrange pas. Ouais, non, mais c'est vraiment ça, c'est la course au dinosaure le plus dangereux possible. Alors, dans le 1 et le 2, il y avait le T-Rex. Ils se sont dit, ah bah tiens, c'est pas assez dangereux un T-Rex, on va faire un truc plus dangereux que le T-Rex. Donc, ils nous ont sorti le Spinosaur. Voilà, le Spinosaur qui est. Voilà, bah, ok, il était mignon, mais. Il est loin d'être aussi emblématique que le T-Rex, quoi. Enfin, c'est vraiment comme si au milieu d'un concert d'un super chanteur que t'adores, on te disait, hey, on va vous emmener quelqu'un qui chante mieux. Il est moins connu, mais il chante plus fort. Et tu dirais, bah non, mais c'est l'autre que je veux voir. Bah, moi, ça m'a fait pareil avec le T-Rex. J'en avais rien à battre du Spinosaur. Je voulais voir le T-Rex. Voilà, et dans le 4, il te sort ce dinosaure inventé, l'Indominus. Et là, dans le dernier, c'est du genre, ah, il faut faire un truc encore plus dangereux, c'est, ah ben, ils ont récupéré l'ADN de l'Indominus et ils l'ont mélangé à celui d'un raptor pour faire un Indoraptor. Et t'es là, putain, mais ça va pas la tête, quoi. Pardon pour les spoilers, au fait, hein, si vous comptez aller le voir, je vais essayer de pas trop en faire quand même. Mais voilà, je veux dire, ça va être quoi la surenchère dans le prochain Jurassic Park? Ça va être un Mecha-Raptor qui tire des lasers par les yeux, quoi. C'est vraiment en train de virer Sharknado, en fait, Jurassic Park, là. Sauf que eux, ils font pas exprès.
Pour le moment, ça ressemble au cul d'une poule, donc c'est plutôt bon signe, puisque finalement c'est ça, hein. Avec la couleur rose, en plus, ça fait comme si c'était une poule un peu plumée. Je pourrais faire une petite aile comme ça, re... plip, plip, plip. Et une tête de poulet. En plus, ils usent et abusent des références au premier, ce qui m'agace beaucoup. Parce que ça devient vraiment un procédé hyper facile. Je crois que là, dans le dernier, ils font au moins 4 fois dans le film le procédé du musique dramatique, bruit d'une porte qui s'ouvre, et tu vois le personnage qui se retourne comme ça. Et qui voit un dinosaure derrière la porte. Truc qu'on a vu déjà 10 fois dans le premier et qui refoutent dans absolument tous les épisodes. J'essaie de faire la queue un peu texturée là, comme si on voyait un petit peu les petites vertèbres qui pop, parce que sinon ça va faire vraiment un truc très géométrique. C'est toi qui as fait le sol aussi, bah oui, là on vient de commencer par le sol. Hop. Alors, comment faire? Avec la queue pivote un petit peu. Ça, c'est le problème du voxel, c'est que ça se prête pas vraiment aux courbes. Dès que tu veux faire des trucs qui sortent un petit peu du. C'est là qu'ils sont malins, les gars qui font du voxel et qui font des maisons en fait. Parce que c'est vraiment la meilleure utilisation possible. Mais j'ai envie de dire, où serait le défi? Pareil, je vais la faire comme un barbare et après je viendrai la retoucher. Je suis en train de lui faire sa queue courbe. Belgique, tu es Belgicae, je sais pas comment ça se prononce. Tu es très impatient ou impatiente, je ne sais pas. Mais voilà quoi, ça va prendre du temps. Chill. On va y arriver en temps et en heure. J'espère avant 4 h du matin.
Toi, tu dégages. Alors, attach. Alors, pour le bon vieux principe d'action et réaction, je pense que ce serait pas mal de d'amorcer la courbe aussi de ce côté-là. De faire un truc qui fasse vraiment comme ça et pas seulement nip nip. Ça lui, ça marche pas mal. Voilà, on va le faire asymétrique. On va la faire asymétrique ici à ce niveau-là. C'est possible de tout remplir et après de creuser. Oui, c'est même comme ça que tu récupères le. Quand tu ouvres un nouveau fichier, tu as un fichier plein. C'est-à-dire que t'as ton cube de travail, en fait, c'est un énorme cube où tu peux creuser. J'aurais pu faire ça pour le dinosaure d'ailleurs, un peu à la sculpture antique, à l'ancienne. Me dire, tiens, au lieu de le modeler, je vais le creuser. Ça aurait été marrant. À tenter. Je suis pas sûr que ce soit plus facile en fait. Ça y est, je suis arrivé au bord de l'écran. Ça, c'est un des trucs chiants avec Magica Voxel, c'est que je trouve les comment dire les fichiers, la taille maximale du fichier un peu petite. J'aimerais bien pouvoir faire des dessins vraiment beaucoup plus gros. J'imagine qu'il a fait ça pour des histoires d'économie de mémoire, pour les rendus, pour que les rendus prennent pas 5 heures, quoi, mais Aïe, tu vois, pourquoi pas faire une version bridée pour toutes les machines et faire une version un peu de luxe pour les grosses bécanes qui tournent un peu bien et qui permettraient de faire des trucs plus complets. Ah, zut. C'est un truc aussi, d'ailleurs, je me disais dans Minecraft, c'est dommage qu'il n'y ait pas une version. Je trouve qu'il devrait faire une version HD du jeu maintenant. C'est-à-dire, ça serait le même jeu, sauf que les cubes feraient 16 sur 16 au lieu de faire 8 sur 8. Et le bonhomme ferait 4 cubes de haut au lieu d'en faire 2. Et tout serait subdivisé en deux, quoi. Pour pouvoir faire des trucs, des motifs plus fins et tout. Plutôt que de rajouter des algues. Même si c'est très joli, hein, les derniers ajouts de Minecraft, s'il y en a encore qui jouent. Je sais qu'il y en a encore qui jouent, puisque j'en connais qui m'ont même bien aidé cette semaine. Merci Chrysalia. Alors oui, quelqu'un dit, on voit ce que fait Sir Karma et ça a l'air gigantesque, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Sir Karma, il triche. C'est-à-dire qu'il exporte ses modèles sur Blender. Et après, il les assemble sur Blender. Et moi, je suis bien incapable de faire ça. Déjà, la Magica Voxel, je l'utilise comme un pied. Donc, vous voyez comme c'est laborieux. Donc là, on parle d'un logiciel que j'ai jamais utilisé, Blender. Donc, je ne saurais absolument pas faire. Et en plus, j'en ai parlé avec lui, avec Sir Karma, parce que je l'ai croisé justement. On a été invité à une soirée pizza chez Sketchfab, donc je l'ai rencontré là-bas. Et en fait, il m'a expliqué que Blender c'était un cauchemar et qu'il détestait ce logiciel. Alors si lui qui sait faire un peu de 3D sait faire ça, galère avec ça, moi j'ose même pas imaginer. Voilà, la dernière fois que j'ai utilisé un logiciel de 3D, c'était Bryce. Donc autant dire que je suis hyper ringard.
Ah bah écoute, si Blender devient beaucoup plus intuitif, j'irai jeter un coup d'œil, mais pour le moment, j'ai même pas risqué le coup d'œil. Alors, les petites vertèbres qui pop. Qu'est-ce que ça dit si je fais ça? C'est pas mal, hein, ça. J'aime bien, moi. Là, c'est encore un peu carré. On va retoucher ça. Plop. Pas trop en enlever non plus, histoire que ça reste un peu en volume, parce que sinon ça va être un peu sec. Bouge, voilà. Alors en revanche, le sol il est un peu chiant quand je veux manipuler et passer en dessous là. Il y a un système de sélection. Je crois que je pourrais sélectionner, théoriquement, je pourrais sélectionner le dinosaure, l'élever pour qu'il soit beaucoup plus haut dans l'image que le sol, et après le resélectionner et le redescendre tout à la fin pour qu'il retouche le sol. Mais j'avoue que j'aime bien travailler directement en contexte, voir comment ça va être directement. C'est comme en dessin où j'aime bien tout dessiner d'un coup en fait. Là, j'aime bien avoir l'idée de la scène quand je dessine sous les yeux. Pour faire des volumes, le mode 3D plutôt que cube est pratique mais moins précis. De quoi tu parles? C'est quoi le mode 3D? Je le connais pas. Bonsoir, vous allez bien? Oui, je vais bien. Et vous? Vous allez bien? Hop. À côté du bouton cube. Ça fait quoi? 2D, 3D. Je comprends pas. Je vois pas ce qui se passe. Zut, cube. Ok, j'ai pas compris, mais je veux bien que tu m'expliques si tu as le courage. Il faut augmenter le nombre de pixels. Ouais, 3D, 2D. Ah, ok. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ah, c'est pratique, ça, remarque. 3D c'est 3 sur 3 et là si je fais un truc de 6 pixels voilà ça fait un truc flat. Ok. Ouais. Je vois mieux ce que tu veux, ce à quoi ça sert. Mais c'est vrai que ça pourrait aller plus vite. Ça pourrait faire, je pourrais empiler des petits feuillets. Mais là ça avance, hein, ça avance tranquillou à son rythme. C'est marrant, du coup ce truc très en volume, très segmenté comme ça me fait penser un peu à Giger, ça fait un peu la queue de l'alien. Là, je voudrais faire un truc. Je voudrais qu'il y ait le volume de la queue qui descende, qu'on marque la ligne de la hanche. Comme ça fasse vraiment chlouk. Mais il faut
plus que je rajoute de la matière que j'en enlève, je pense. Voilà, c'est au lieu d'enlever de la matière, il faut en rajouter devant et que le dos fasse une petite bosse. As-tu pensé enregistrer le projet? Oui, il est enregistré. Il s'appelle Dinosaure et je l'ai enregistré tout au début et je fais des petits contrôles de temps en temps. Je sais même pas si c'est un vrai raccourci de. Après, c'est très con parce que je sais même pas si c'est un vrai raccourci de Magic Voxel, mais ça, c'est sauvegarde si je me souviens bien. Je le laisse immobile pour voir si ça fait une petite fenêtre pop-up. Mais si je me souviens bien, quand on clique sur le petit jaune, ça marche. D'ailleurs, oui, ça redevient jaune dès le moment où je rajoute un cube, c'est-à-dire dès que je fais un changement, donc je pense que c'est ça. Et je vais essayer de le faire pas tout à fait. Ça, c'est vraiment pour. Je voudrais vraiment que sa colonne vertébrale fasse un petit peu un S. Comme ça. Et que la tête soit pas tout à fait dans l'alignement du corps. Et que ça fasse comme ça. Schlick. Et que la tête soit par là. Et en revanche, vu que ça, c'est la queue, il faudrait que la torsion devrait commencer déjà dès ici. Parce que là, on n'est pas encore dans le dos là, on est dans la queue. C'est bien, ça entraîne à la perception de la 3D, à bien percevoir les volumes. Je suis sûr que ça fait des connexions dans le cerveau qui vont être utiles pour du dessin plus tard. J'espère. On avait eu un grand débat la dernière fois quand je faisais la sorcière avec Trondheim qui était passé et qui avait posé la question qui fâche, qui était pourquoi faire du voxel alors que tous les gens qui font du voxel, ça finit toujours par se ressembler. Ou comme disait Benjamin Renner, il fait chier Lewis avec ses questions où il a souvent raison. Mais moi j'aime bien, déjà ça détend. Et en plus, comme je disais, je suis persuadé que ça aide à la compréhension des volumes. Tout ce qui est. Moi j'aime bien tout ce qui est contrainte en dessin d'une manière générale. Parce que tout ce qui est contrainte te force à trouver des solutions. Et c'est là que vraiment tu trouves des. Que t'es obligé de trouver des astuces. Qui te sortent de ta routine. Je trouve que les contraintes sont vraiment très très créatrices, enfin comment dire, génératrices d'imagination. L'exemple que je prends souvent, c'est Silent Hill, le vieux jeu là qui avait pas assez de puissance de machine pour pouvoir faire de la belle 3D profonde. Et où du coup il fallait que ça s'arrête à trois maisons, ou même à deux maisons, et où ils ont dit bah toute la ville sera dans le brouillard, et ça a tellement rajouté à l'ambiance que c'est devenu même limite leur marque de fabrique. Ben, je pense que c'est pareil pour tout, c'est dès le moment où on donne une contrainte très forte, on est vraiment obligé de trouver des solutions hyper pertinentes. C'est aussi l'exemple de tous ces films qui faisaient du found footage parce qu'ils n'avaient pas d'argent et qu'il fallait trouver une excuse pour faire un film
Eh ben on va dire, ah bah tiens, on va dire que tout le film c'est un film qu'on a trouvé sur une vieille caméra vidéo pourrie, et comme ça on a un prétexte pour filmer avec une vieille caméra vidéo pourrie. Et c'est hyper malin. Après ça a été bon, ça a été très galvaudé, hein. Je veux dire, il y a quand même. Il y en a eu beaucoup trop, et des pas très bons. Mais l'idée de départ était hyper bonne. Blair Witch, j'avais trouvé ça un peu chiant, moi. C'était pas vraiment pas mon préféré. J'avais bien aimé Rec, je me souviens. Et encore, je l'ai vu il y a longtemps, donc je sais pas si je l'aimerais autant aujourd'hui. Dans les found footage, moi j'avais beaucoup aimé Cloverfield, en fait, le premier. Faut surtout pas regarder la dernière merde de Netflix, là, mais le premier Cloverfield, moi je me souviens qu'il avait pas eu forcément très bonne presse quand il était sorti. Et moi je m'étais vraiment beaucoup amusé à ce film. J'avais passé un très bon moment. Et il y avait celui Troll Hunter, à ne pas confondre avec le dessin animé, mais il y avait. Je crois que ça s'appelait Troll Hunter, je suis pas sûr. Mais où c'était des gens. C'était un found footage comme ça sur des gens qui étaient allés chasser des trolls en Suède. Et c'était assez marrant parce que ça reprenait vraiment tous les codes du genre. Sauf que c'était avec des trolls au lieu d'être avec des fantômes. J'ai vu que le premier de Rec, mais je te crois sur parole, je sais pas si le deuxième est bien. J'avais assez aimé celui avec les super-héros, là, Chronicles. Même si je l'avais trouvé un peu moins bien. Surtout sur la fin, où vraiment le coup du found footage, ça se sentait que ça l'emmerdait plus qu'autre chose. Et qu'il trouvait des astuces un peu pourries pour justifier du fait que les personnages sont encore filmés. Et je réfléchis, Blair Witch il était pourri, enfin pas pourri, mais il était pas terrible quoi. Et Paranormal Activity, j'ai dû regarder 5 minutes avant d'arrêter tellement ça m'emmerdait. Alors quoi de neuf? Ben, on est en train de faire un dinosaure, enfin je suis en train de faire un dinosaure. Et c'est un peu long parce que c'est plein de petits cucubes. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça dans Spider-Man au début, effectivement, et c'est assez malin. C'est assez chouette. Ah non, Paranormal Activity, non, il est pas cool, arrête, il est nul, quoi. Bon, je l'ai regardé en diagonale, hein, j'avoue, hein, à chaque fois, là, j'avançais, tout. Mais purée, il est hyper mal joué, c'est hyper pas intéressant, l'espèce de truc autour du démon, là, enfin, ça n'a aucun sens, enfin, ça, c'est. Je l'ai trouvé gratuit et pas très bien foutu sur tous les plans, quoi. Alors, qu'est-ce que ça dit la jambe si je fais ça? Est-ce que ça va être trop, un peu trop peut-être? Ouais, non, ça marche encore, hein, le muscle comme ça. Faut une footage de gueule, ouais, c'est bien ça. Pas mal, j'avoue. Je suis le seul à avoir des drops toutes les 30 secondes, demande Gladurok. Est-ce que c'est le cas? Moi, j'ai pas l'impression.
Je suis aussi hein, en direct, j'ai ma fenêtre, j'ai ma tablette avec Twitch ouvert et j'ai vu aucun drop, mais... Eh bien oui, j'ai l'impression qu'il n'y a que toi, désolé. Alors, donc là, ouais, ben, oh, ça marche pas trop mal, hein, la petite courbe là. Je suis assez content. C'est à mi-chemin entre le Minecraft et le Lego, ce truc. J'aime beaucoup. Alors, là, il faut faire un peu plus épais. L'eau de roche, c'est du pétrole. Non. L'eau de roche, c'est de l'eau de source. C'est l'huile de roche, le pétrole. Petra oleum, huile de roche. Tu n'as pas lu Astérix ou quoi? Alors. Ah ouais, non, mais là, je l'ai fait peut-être un peu tourner pour le coup trop tôt. Parce que par rapport à la jambe, là, je risque d'être emmerdé. Je pense qu'il faut que la logique veut que je puisse pas tourner si vite autour de la jambe. Hop. Ouais, là ça commence à ressembler à quelque chose. On va épaissir un peu ici. Faire du ventre. Allez, un petit peu de matière là pour avoir de quoi bosser parce que là je fais pixel par pixel, ça va pas du tout. Choup, 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 choup. Oh, ça a collé des petits voxels là-haut. Alors, le ventre, on va le faire descendre bien bas parce que je défends la théorie des dinosaures au petit bedon tout rond. J'ai confondu Paranormal Activity avec Paranoïaque. Ah, je l'ai pas vu Paranoïaque, donc je ne sais pas ce que c'est. Alors, bon, là mon dinosaure, il a un bon bide. Tout va bien. On va lisser un peu tout ça parce que là c'est un peu le bordel, mais ça viendra par la suite. Il y a des questions, je ne sais pas si vous en avez parlé ou c'est juste quelqu'un qui drop des questions en random,
Mais je vois, est-ce que c'est une provocation de ramener des cartes Yu-Gi-Oh! Dans des étuis de Magic à un tournoi? J'en ai aucune idée. Curieusement, je suis allé acheter des étuis Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, figurez-vous. Envoyé en mission par ma nièce, qui m'a dit, hey, il faut que tu ailles au magasin Ultra Jeu pour me ramener des étuis Yu-Gi-Oh! Et donc moi, en tonton héroïque que je suis, je suis parti dans le chaud, marcher jusqu'à Bastille pour aller acheter des cartes, enfin des paquets, des étuis Yu-Gi-Oh! À ma nièce. J'ai pas la moindre idée de ce que c'est le Yu-Gi-Oh! Et de comment ça se joue, mais graphiquement c'est tellement vilain que j'ai pas envie de savoir. Non, Ultra Jeu, c'est celui qui est rue Amelot, à côté de. Ou alors il y en a peut-être plusieurs, hein, j'en sais rien après tout. Mais c'est celui qui est rue Amelot à côté de Bastille. Donc là, il sera face à moi. Et il tournera un peu la tête par là. Alors bon, je nettoierai les petits pixels perdus plus tard. On va y aller un peu plus vite, là je voudrais vraiment avancer. Donc là on est pas mal sur la forme du ventre. Il faudra affiner bien sûr. Donc là il y aurait les épaules par là. C'est vraiment, je suis en train de faire ça comme si je faisais de la peinture en foutant partout. Vous voyez, il y a des petits voxels roses qui se sont retrouvés sur le sol et sur les murs. Puisqu'il y aura les. Il se décale. Et ici, il faudrait que ce soit au contraire plus lisse, puisque c'est tendu. Donc, ce serait un truc comme ça, voilà. Petite allure de poulet. Et il faudrait que je fasse l'autre patte, peut-être en avant, par là. Je vais faire sa cuisse déjà. Hop, la cuisse elle va être par là. Oula, c'est épais ça. J'avais pas vu que je partais dans du si épais. On va raser un peu tout ça. Voilà. Est-ce que tu connais Nioh? Non, c'est qui Nioh? Ou c'est quoi? Est-ce que c'est un personnage fictif ou réel?
Alors, la petite papate là. Oui, yeah, là il danse là. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais je sais pas s'il est en train de faire du skate ou danser, mais il a une espèce de position là. Yeah! Wouhou! Ça dit, j'aime bien. Hein. Alors, essayons quand même de le faire un peu plus stable. Tu vas lui faire des plumes? Non, non, non. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, c'est déjà assez compliqué comme ça. Et en plus, les voxels n'ont pas tellement une résolution qui se prête aux plumes. Donc non, là, il va être. Je lui ferai peut-être quelques belles couleurs, quoi. C'est-à-dire histoire qu'on comprenne qu'il est pas reptilien. Genre un petit peu, peut-être des couleurs de plumes, genre avec une sorte de petit collier autour du cou, tout ça. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Oh là là, il va y avoir de la retouche là, plus savoir qu'en foutre. Alors, le talon serait par là. Je pense qu'à ce stade-là, il va falloir que je reparte du sol en fait. Ah, il y a encore des voxels qui flottent là. Alors, un dessinateur qui a fait une émission sur Twitch aussi où il invite quelqu'un et demande au chat trois mots et il dessine pendant 2 heures avec son invité en motivant plein de monde à faire de même. Belle entreprise, je trouve. Ah oui, c'est rigolo. Tous les trucs d'impro sont bien, quoi. J'aime bien l'impro d'une manière générale. Enfin, j'aime bien l'impro quand on a du temps quand même. Là maintenant, souvent on me demande de participer à des matchs d'impro ou des trucs comme ça, et là j'ai décidé de plus le faire parce que à chaque fois c'est un crève-cœur quoi. On doit faire des dessins en 2 minutes, des dessins en 3 minutes, on fait des dessins de merde et ça m'épuise à chaque fois. Je trouve ça très dommage d'inviter des dessinateurs et de leur demander de faire des dessins le plus vite possible, juste pour la performance, pas pour le dessin justement. C'est comme inviter des musiciens et leur dire on va vous faire jouer, vous êtes des bons musiciens, mais pour que ce soit plus dur, on va vous mettre des gants de boxe. Et ça serait con. Et personne ne voudrait écouter ça. Et pour les dessinateurs, on semble penser que c'est ok. C'est-à-dire on va inviter des dessinateurs à faire de l'impro. Et on va leur dire, eh ben, vous avez que 2 minutes. C'est un peu dommage. J'aime pas bâcler, effectivement. De quoi parles-tu, Loli Lol? Maintenant, on peut aller jusqu'à 2048 sur 2048 sur 2048. Là, j'ai mis la taille maximale et c'est 126 sur 126 sur 126. Ou alors, tu parles complètement d'autre chose et j'ai pas suivi la conversation, mais. Mais non. Là, je suis au maximum, hein. J'ai vraiment essayé, hein, d'aller plus loin, hein. Ça voulait pas. Est-ce que j'ai la dernière version? Je crois que oui. Peut-être pas, après tout. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai mis à jour. Justement, quelqu'un m'avait dit, ah, ben maintenant on va pouvoir faire des plus grandes scènes, et donc j'avais téléchargé la dernière version. Et je pouvais toujours pas faire des grandes scènes. Donc si ça se trouve, j'ai tout simplement pas la dernière version. Diantre.
Voilà qui serait pénible. Alors, donc on a les deux pattes, dont une beaucoup plus grosse que l'autre. Mais j'aime bien parce que on sent la position un peu laborieuse où il appuie bien avec sa patte. Là, je suis sur la combien? Ah bah ça me dit pas. Il est où le about? About. 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 Il est où? Il me semble qu'il y en avait un, mais je sais pas où il est. Je regarderai plus tard. Misc peut-être? Non. Shape? Non. C'est l'export, donc on va pas toucher. La cobaye, on va pas toucher non plus. Ah oui, moi carrément, si on peut faire des scènes énormes, après là, je vais m'éclater. Bon, je vais plus bosser, mais. Ah, ça y est, j'ai encore foutu des pixels dans le ciel. Des voxels. Alors, voilà le buste. Bon, là maintenant, ça va être le passage un peu chiant où il va falloir lisser un peu tout ce que je viens de faire. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu comment j'ai fait là pour faire le volume. En fait, c'est un truc tout con. Hein. C'est vu que en fait, quand je rajoute des voxels, là, vous voyez que je rajoute toujours les voxels en face de moi. Et donc là, si je veux que voilà, ça c'est le T-Rex de face. Si je veux que son buste parte un petit peu sur le côté, ben, je me mets en face de la direction où je voudrais qu'il arrive. Et je fais brrr, comme ça et je rajoute des voxels dans cette direction. Et donc comme ça le mouvement général des voxels va dans cette direction. Et après j'affine. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais. Les T-Rex ont le talon beaucoup plus haut, pas au sol. Oui, là je l'ai fait plus haut, et là le talon il sera là. Il n'est pas au sol là, hein. C'est juste les petits doigts là. Mais c'est parce que j'ai placé les volumes, j'ai pas encore une fois, je n'ai pas encore fini d'affiner tout ça. Tu posteras le résultat sur Twitter. Oui, je pense. Je le mettrai sur Sketchfab et je mettrai la scène sur Twitter. On pourra tourner autour et tout. Ce sera très joli. Alors là, ça commence à être plus joli. Quand ça commence à avoir cet aspect falaise de basalte, j'aime bien.
Alors, on va creuser un petit peu ici pour récupérer un peu de volume dans le ventre. Une chance que tu repasses dans l'ADC un de ces jours. Oh, ça fait. Je sais plus quand c'était la dernière fois, c'était il y a 10 ans. Et il nous avait dit, bah, vous revenez quand vous voulez. Et avec Lolita, on avait dit, bah, on reviendra. Et à chaque fois, je pense que ça fait 10 ans qu'on en parle. Qu'à chaque fois que je vois. Enfin, pas à chaque fois que je vois Lolita, quand même, il faut pas déconner. Mais souvent, je lui dis, eh, il faudrait qu'on retourne à l'apéro du capitaine. Et à chaque fois, elle me répond la même chose, du genre, eh ben ouais, il faut qu'on y retourne, tu me le dis, et puis on y va. Et en fait, on le fait jamais. Mais pourquoi pas, hein, à l'occasion. Après, ils doivent avoir vieilli eux aussi. Je sais pas s'ils sont toujours aussi potaches et alcooliques. Ça se trouve, la prochaine fois que je vais y passer, c'est 10 ans plus tard. Ça va être l'espèce de revival un peu pénible où tout le monde sera là. Tu veux boire un verre? Ah non, là, je suis crevé. Ça va être le truc super décevant après toute cette attente. Je pense vraiment, alors très sincèrement, je pense que depuis cet apéro du capitaine, j'ai jamais repris depuis une si grosse cuite. C'était épouvantable. Je voudrais vraiment arriver à ce qu'on comprenne bien la séparation du ventre et du torse, mais dès que je fais ça, voilà, dès que je fais ça, ce qui est chiant, c'est que ça creuse la cuisse. Je t'ai posté l'astuce pour agrandir les ceintures magiques à Vauxhall. Merci, j'irai jeter un coup d'œil. Ça pourrait m'être très utile. Au-delà de la cuite, c'était très sympa. Ouh là là, moi je me souviens même plus de ce que j'ai dit. Je pense qu'on a dit énormément de conneries et que j'assumerais plus du tout de revoir ça maintenant. Donc je préfère pas revoir parce que je sais que j'aurais très honte. Je me souviens que j'ai vraiment insisté lourdement auprès d'une meuf pour qu'elle joue de la guitare parce qu'elle avait une guitare à la main. Et j'ai dit, vas-y, joue-nous un morceau, mets ton micro et joue un morceau. Et j'ai insisté pendant 10 minutes alors que elle, pendant 10 minutes, elle essayait de me faire comprendre que c'était une guitare de guitare héros et qu'en fait c'était pas du tout une vraie guitare. Et moi, je comprenais rien parce que j'étais très très bourré. Et j'arrêtais pas de lui dire, non, non, mais vas-y, joue-nous un morceau là, avec ta guitare. Donc voilà, c'est ce genre de moment que j'ai pas du tout envie de revoir. Est-ce que c'est un logiciel payant, Magic Avoxel? Eh ben non, c'est un logiciel gratuit. Il s'appelle Magic Avoxel, donc, comme je viens de le dire. Il est fait par un gars qui s'appelle Eftrassi, dont je ne sais pas d'où il vient. A priori, on m'avait dit que c'était un Chinois, mais d'autres gens m'ont dit que c'était un Français. Alors, mais je crois que c'est un Chinois. Donc, à vérifier. Mais le mec fait ça tout seul. C'est un gars tout seul qui a programmé ce truc-là, ce qui est quand même un exploit en soi. Je le suis sur Twitter et il poste souvent ses essais de rendu 3D. Il a l'air obsédé par le rendu surtout. Et c'est hyper chouette. Il paraît qu'il est très réactif quand on lui fait des remarques sur le contenu du logiciel. Donc voilà, c'est un type très apprécié apparemment pour ce qu'il a fait. Moi, je confirme que je suis très très admiratif de son travail.
La description du podcast me tue. C'est pas un programme de malade. Je ne sais, si c'est pas un programme de malade, je ne sais pas ce que c'est. En plus, on en a bavé pour vous sortir ça. Entre l'alcool frelaté, nos poumons flingués par les 6 paquets de clopes fumés par Lolita dans une cave de 5 mètres carrés et le manque de sommeil, inutile de vous dire que le mercredi, on n'était pas vraiment frais au boulot. C'est vrai. C'est vrai. À une exception près, l'alcool n'était pas du tout frelaté. Ils m'ont sorti un très bon. Enfin, c'était pas un très bon whisky, mais c'était un bon whisky, si je me souviens bien. Enfin, c'était un whisky correct, quoi. C'était peut-être de l'alcool frelaté, je sais plus. Non, c'est un whisky. Dans mon souvenir, c'était un whisky honnête. Le coup. Bon gros coup bien épais. Vous vous rendez compte qu'il est presque 2 heures du matin et que j'ai pas fini, que j'ai pas entamé la tête, quoi. Je pense que pour la première fois dans l'histoire de mes Twitch, si à 3 heures j'ai pas fini, je vais aller me coucher quand même, hein, parce que ça va bien les conneries là. On le fera en deux parties, au pire je le finirai demain soir. Ou plus tard. Alors, ça, est-ce que c'était utile là, ce que j'ai fait là? C'est le torse, mais il descend un peu bas, hein. Le torse, je le voyais à peu près jusqu'à cette hauteur-là. Paye ton heure de début aussi. Bah ouais, j'ai pas pu avant. J'ai pas pu avant. Mais j'aurais bien aimé commencer plus tôt. En fait, j'étais prêt à commencer à 11 h et j'ai eu deux coups de fil, coup sur coup. Parce que j'ai des amis et de la famille qui m'appellent à 11 h passées. C'était une traîtrise absolue. Alors, on va y arriver. Que fais-tu de VOD sur YouTube? Fais-tu des VOD sur YouTube? Des VOD? Des VOD? Des vidéos on demand? C'est quoi des VOD? Expliquez au vieux monsieur ce que c'est que les VOD. Alors, hop. Donc là, on a le buste comme ça qui fait un volume à part avec, par rapport au corps. C'est pas le stylet là, c'est pour ça, c'est la souris. Là, je dessine pas au stylet pour le voxel. C'est plus précis, la souris. Ok. Donc là, il nous faut des petites épaules. Les petites pattes qui pendouillent.
Je vais lui faire qu'il relève un peu la tête. Enfin, pas qu'il relève la tête, je voudrais que la tête soit horizontale, mais que le cou soit légèrement dressé. Qu'il soit un peu comme ça. Et que la tête parte de là. Est-ce que la taille du cube que tu utilises est la plus petite dispo? Oui, là c'est le cube 1 sur 1 que j'utilise. Mais on m'a fait remarquer que j'ai peut-être pas la dernière version du logiciel et qu'il est possible de faire des plus grandes scènes. Là moi j'ai vraiment fait un compromis, tu vois, je savais que la scène avait cette... Ah mais dis donc j'ai fait n'importe quoi! Mais enfin, je voulais qu'il soit tourné dans cette direction-là, je voulais qu'il soit tourné vers le bas de la pente. Bon, bah tant pis, il sera tourné vers la gauche. Enfin, vers la gauche quand on est comme ça. C'est seulement maintenant que je m'en rends compte, le professionnalisme absolu. Et donc oui, c'était un compromis, c'est-à-dire j'ai vu la taille de la scène maximale et je me suis dit, bah, je vous montre direct, je comprends comme ça. Voilà. Non, non, le design, je me suis pas planté, je me suis juste planté de... Je les ai vus aussi, les pixels volants, hein, mais voilà, c'est chiant de les effacer à chaque fois, je le ferai à la fin. Je me suis planté de direction, mais pas de design, quoi. De petits traits du cul là juste pour qu'on voit mieux le... Ah j'aime... J'avais pas vu ça mais... Ah il y en a un tout là-haut aussi de pixels flottants. Je trouve que c'est pas très beau la tache de la queue là en dessous en fait. Il faut retravailler ça un peu. Là, c'est mieux. Là aussi, tiens. Voilà. Là, il a un joli petit cul. Hop. Si on peut faire des rotations, on peut faire des sélections. Donc, techniquement, je devrais pouvoir prendre le dinosaure et effectivement le faire tourner. On pourra voir ça à la fin. Je ferai des tests, mais après avoir fait plein abondamment de sauvegardes. Je vais d'abord le finir parce que tant qu'à faire, si je, soit je peux le tourner d'un bloc, soit je peux pas, donc autant le finir d'abord.
Le trou de balle du dino, je dirais qu'il est là. Quelqu'un me pose la question, hein. Je suis désolé si vous voyez ça en replay, mais quelqu'un me pose très sérieusement la question de où est le trou de balle du dino. Je ne sais pas si le débat est tranché là-dessus, mais je pense qu'ils avaient des cloaques comme les oiseaux. Enfin, quoique j'ai déjà vu des représentations de dinosaures en train de faire la chose, et qu'ils étaient représentés avec des pénis fort conséquents d'ailleurs. Donc je sais pas si le débat est clos. Le problème du pénis de dinosaure, c'est que ça ne se fossilise pas. Il a un méplat bizarre à la fin de la queue. Il a un pixel flottant surtout, je sais pas ce qu'il fout là. Ça, c'est pas très beau. Ça, il faut que ça bouge. Voilà. Après, il y a un moment où ça reste des cubes et que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est très dur de faire des impressions de torsion avec des cubes comme ça. On va essayer, hein, mais voilà, là j'aime bien. Comme ça. Non, 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 Chrysalia, je ne suis pas d'accord. Ceci n'est pas un point. C'est pas un point pénis. D'habitude, le point pénis, c'est tous les autres dessins de monstres que je fais. On a défini que le point pénis, c'était un moment, quelqu'un qui disait ça ressemble à un pénis ou ça ressemble à un trou de balle. Mais là, c'était une question directe sur les organes des dinosaures. Donc, c'était pas le dessin qui ressemblait. C'était juste, on en a parlé. Je suis pas sûr que ça compte. On en parle à chaque fois, ça pourrait être un point séparé, où il y a forcément un moment où la discussion devient un peu scabreuse. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas un point pénis. Dans le bingo. Fait face. On va effacer ça. Ça, c'est trop aussi. La petite main. Alors, on va lui faire un petit coude.
Je commence à avoir tellement sommeil. C'est un peu en plus, c'est en plus un rythme plus lent que le dessin. C'est vraiment un peu hypnotisant de regarder tous ces petits cubes. Hop, petit pouce. Non, là, Belgicae, tu fais exprès pour faire sortir le point, parce que ce n'est pas vrai du tout. Ça ne ressemble pas du tout à un phallus sur pattes. Je vois qu'on a converti des gens à Cookie Clicker la dernière fois. Moi, j'ai toujours pas mon foutu jardin au complet là. Je suis très agacé par ce nouveau truc là du jardin. Je suis toujours en train d'essayer d'avoir le dernier légume qui me manque. J'en suis à un dodécillion et je l'ai toujours pas. Le jardin, si, c'est dans le. Bah, tu sais, t'as les fermes à cookies, et tu vois qu'il y a une option où tu peux ouvrir la ferme. Et si t'as un certain nombre de cookies, tu peux planter des graines. Tu commences avec genre deux graines, avec une graine, et après, il faut arriver à choper toutes les mutations. Alors, où ça en est là? Oui, si tu upgrades ta ferme, tu vas avoir. On parle de cookie clicker toujours, hein, pour ceux qui nous rejoindraient. Si tu upgrades ta ferme, tu vas avoir plus d'emplacements pour planter des herbes. C'est-à-dire, je crois qu'au début, tu commences avec 4 emplacements, et si ta ferme atteint le niveau 10, tu as le jardin au complet ou un truc comme ça. En parlant de paléo art, il y a un livre assez chouette de Naish, Conway et Cosman intitulé All Yesterdays. Il contient des représentations de dinos qui sortent des sentiers battus et dans une seconde partie, il donne des exemples de ce à quoi ressembleraient des animaux modernes si les dessinateurs les représentaient de la même manière qu'on a tendance à faire avec les dinos. Ça peut t'intéresser, je l'ai déjà vu, effectivement. Et bonne nuit alors! Alors, bon,
La tête, hein, à bientôt. On va y arriver quand même. J'aurais au moins placé la tête avant d'aller me coucher, là, histoire qu'on ait un petit peu un truc un peu solide pour demain. Si j'arrive à finir mon boulot à temps demain pour pouvoir faire un peu du Magic à Voxel, ce qui n'est pas gagné non plus. Hop. Ça va être l'arrière du crâne. Donc là, il va falloir mettre les arcades sourcilières. Bon allez, ploup, 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 ploup. On va mettre un peu de matière pour avoir de quoi bosser. Donc c'est la technique que je vous disais tout à l'heure. Là, je veux faire avancer le volume par là. Donc je fais plop, 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 plop. Et voilà, après de côté, il y en a plein le mur. Mais le volume a un peu gonflé. On va commencer par la mâchoire supérieure. On rajoutera la grosse mâchoire inférieure après. Voilà, c'est beaucoup trop petit la tête. J'ai carrément fait la tête sur le mur. Là, pour le coup, c'est un peu gros, peut-être. On va voir. On va continuer et puis on avisera. Il vaut mieux en avoir trop que pas assez, de toute façon. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, le monstre de cauchemar. Ça allait un peu trop vite. Bon, un peu de ménage là, parce que je vois plus rien, je vois plus ce que je fais. Chloup, 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 chloup. Et voilà, c'est déjà plus propre. Ok. Et là. Donc, là, il y en a trop. Voilà, ça, c'est bien. Hop. Voilà. J'essaie de visualiser. Parce qu'en fait, c'est peut-être pas forcément qu'il y en a trop, c'est juste que c'est le coup qui est pas fini. Ouais, parce qu'en fait ça colle pas mal en termes de taille. J'aurais dû faire quand même une tête un peu cartoon, quoi. Enfin, qu'il est vraiment. Ah zut! Une grosse tête.
Je l'ai fait un peu prognate, mais il commence à y avoir de l'idée. Sinon, Boulet, j'ai rien à dire. Est-ce que tu regardes Steven Universe? Ouais, là, ça y est, j'ai tout rattrapé. Tu recommences, Belgique, tu recommences à me dire tu devrais faire ceci, cela, alors que je suis très loin d'avoir fini de mettre en place. C'est très long, les petits voxels. Il faut mettre tous les petits cubes les uns après les autres. Là, on commence à peine à avoir la forme de la mâchoire et du crâne. Je sais pas si c'est un truc qui est très canonique dans la représentation des T-Rex, mais il y a un truc que j'aimais bien dans Jurassic Park. C'était une mâchoire un peu crocodilienne, comme ça, avec une espèce de petit retour sur les côtés, qui rend très bien. Que j'ai beaucoup utilisé pour dessiner des dragons, genre la grand-mère de Ragnarok a ça. Alors, l'œil serait par là. J'aurais dû prendre des modèles quand même. De mémoire, comme ça, la tête d'un T-Rex, je sais plus trop. Je vais regarder. Je suis sûr que ça va me revenir, j'en ai dessiné tellement. Mais il me semble que l'arcade sourcilière sera un tout petit peu plus proéminente. Ouais, là c'est mieux. Ah oui, là je vais être obligé de lui faire des dents cubiques, c'est vrai. Je pourrais pas vraiment lui faire des belles dents pointues comme un bon T-Rex. Plus du tout ce que je fais. Ah, c'est compliqué. C'est vu là quand il y a trop de. Quand il commence à y avoir beaucoup de voxels, là, le gros bordel là-haut, je comprends à moitié ce que je fais seulement. Une fois sur deux, là, je mets des voxels au hasard et tout à coup je me dis, ah oui, ça y est, je suis retombé sur mes pattes, mais c'est quand même bien le bordel. Là, on est sur quelque chose d'à peu près symétrique. Donc c'est que ça doit être bon.
Ah, mais veux-tu? Voilà. Ouh, ça y est, on a passé la barre des 100. Tout le monde est allé se coucher. Et je vais pas tarder non plus, hein, je vous avoue. Là, j'ai vraiment les yeux qui se ferment tout seul. Comme disent les Québécois, je cogne des clous. Tout ce petit crâne tout à l'heure là. Le petit bruit en plus ASMR de la souris, c'est pas top pour rester éveillé, hein. Faut qu'elle ait un peu plus d'épaisseur cette mâchoire quand même, si on veut y mettre des dents. Hop là. Donc pour le moment ça donne ça, il va falloir creuser un petit peu là. Mais là je vous avoue que j'ai plus tellement le courage. Je pense que je vais arrêter pour la soirée et reprendre demain si j'ai le temps, sinon je reprendrai un soir de la semaine prochaine. Il n'y a pas d'urgence. Donc voilà où on en est pour le moment. Il va falloir affiner tout ça après, il va falloir mettre de la couleur. Mais pour le moment, ça a déjà un petit peu de gueule. Là, il y a un truc pas joli, par exemple. Il faudra creuser un peu ici, rebomber ici. Ah oui, parce que j'ai fait un creux là où il ne devrait pas y en avoir. C'est comme si j'avais coupé les épaules en deux segments. Ça fait une sorte de truc bizarre là. Hop. Ça marche, ce sera déjà mieux comme ça. À répercuter sur l'autre côté, évidemment. Hop. Bon, bah, je me le regarderai demain à tête reposée de toute façon pour voir ce qu'il faut retaper. Mais pour le moment, il commence à. Je trouve que pour un truc en Q-cube, il a quand même pas mal il a une belle courbe. Donc je suis assez content de sa courbe. Là, pareil, il va falloir toucher un tout petit peu ici, enfin ce genre de choses, hein, mais voilà, hein, on va pas tout faire ce soir, on n'est pas des bêtes. Mais voilà, un truc comme ça. Bah déjà, voilà. Hop, il y a un petit cube en trop là, voilà. Ici aussi. Mais ça commence à avoir de la gueule. Et puis tout à la fin, on fera un rendu, donc il faudra placer des couleurs, il faudra placer des lumières. Il va être dur à avoir sous un bon angle. Pour avoir tout en même temps, c'est compliqué. Voyons ce que ça donne. Ah oui, il va falloir mettre un paquet de couleurs pour que ça rende quelque chose. Bon, là en même temps, j'ai un soleil rouge. Voyons voir. Hop. Voilà. Et le ciel aussi en blanc. C'est juste pour voir ce que ça donne. En termes de rendu. Bon là j'ai pas fait d'éclairage, donc c'est pas très intéressant en termes de rendu. Et puis j'ai fini un. Voilà. Hop.
ça rendra un truc comme ça. Bon, ben, on continue demain alors. Hop, je fais une petite sauvegarde. On se remet sur le modèle. Petite sauvegarde. Et c'est fini pour ce soir. Eh bien, il me reste à vous remercier d'avoir suivi le live. Et puis, ben, on se retrouve plus tard pour finir ce joli dinosaure. En attendant, passez une bonne nuit si vous allez dormir, puisque après tout, peut-être que vous êtes québécois ou chrysalia et que vous allez rester debout toute la nuit. Et moi, je vous dis bonne nuit et à très bientôt. Salut!